c'est The Noé du 50 et aujourd'hui je vais vous présenter le Scar H. Donc voilà la boîte qui fait 1 joule. Voilà. Donc c'est pas ma réplique, on me l'a prêté vu que la mienne est en réparation. Et du coup bah, j'en ai profité pour faire une petite vidéo. Donc vous pouvez voir la marque de GEG. Voilà. FNR Style. Voilà. Donc vous pouvez voir la puissance. 130 mètres par seconde, 328 fps avec des 20 grammes, avec des 12 grammes mais il fait 424. Voilà, donc le poids, etc. Donc ça s'utilise avec des billes de 6 mm. Voilà, une batterie normale. C'est assez compliqué à mettre la batterie, donc je sais pas si je vais vous montrer ça pendant la première vidéo. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Donc c'est du plastique et vous pouvez admirer la réplique. Voilà, donc tout en métal et quelques parties en ABS comme ça, le grip et la crosse. La batterie se met dans la crosse, c'est très compliqué parce qu'en fait il faut enlever l'arrière de la crosse et la partie du dessus, et il y a des espèces de fils à mettre, enfin c'est vraiment très compliqué, sauf que je trouve assez dommage. Mais sinon elle est assez puissante, vous avez pu le voir dans quelques de mes vidéos. Et puis je pense que je vous ferai un petit test. Donc voilà. Donc bah, normalement elle devrait être fournie avec une poignée tactique. Voilà, donc avec les bipieds intégrés. Et voilà. Donc là c'est voilà des petits trucs qui servent. Genre ça si vous êtes pour accrocher des accessoires. Le chargeur qui est en métal qui contient 450 billes. Voilà. Voilà. Et puis je vais vous montrer la réplique en détail. Donc voici la réplique. Donc voilà, vous pouvez remarquer donc la couleur qui est très jolie, je trouve. Donc voilà, quand vous avez besoin de mettre un viseur, il suffit de monter la visée ou de la baisser. Voilà, donc monter, voilà, ça rend ça. Donc le bout rouge, c'est juste pour protéger ou éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent, et même pour la sécurité, c'est mieux. Donc voilà, voilà. Ici, vous pouvez remarquer, il y a un petit bouton qui permet de lever ça. Pour quand on pose notre joue en visée, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, et ici ça sert pour agrandir la crosse. Donc voilà. Et là, la plier. Voilà. Ce qui est du système du hop-up, ça se passe ici. Donc là, on a juste à tirer comme ça. Et on voit le hop-up ici. Voilà. Pour enlever le chargeur, on appuie là. Sur ce petit bouton, et pour là on est en mode sécurité semi-auto et automatique qui se fait des deux côtés aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, au niveau des rails, ils sont tous en métal et celui-là est gradué, ceux-là sont noirs, et au niveau du canon, bah, il est tout en métal aussi, donc on peut changer et mettre des silencieux, il y a des c'est fait exprès. Donc voilà la réplique du Scar H. Donc avec le chargeur évidemment. Et voilà. Donc j'ai pu jouer avec et j'ai trouvé que c'était plutôt une très bonne réplique. Elle est pas mal. Le problème c'est que je trouve qu'il faudrait adapter une meilleure batterie dessus vu que la mienne devait pas être assez puissante mais elle tirait pas très vite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme défaut, sinon à part pour mettre la batterie, je trouve ça un peu compliqué, mais sinon c'est très bien, je vous conseille cette réplique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.